Amen. Saluons-nous rapidement la fraternité. Rapidement. Que ça ne va pas en saluer rapidement, mais vous avez précipité. Il ne faut pas confondre précipitation et rapidité. Amen. Recommencez, saluez-vous rapidement. Rapidement. Jésus! Merci. 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 C'était pour donner plus d'ambiance. Alléluia. Amen. Mais on est béni ce matin. Amen. Je l'ai dit avec fermeté. Je l'ai dit avec conscience. Amen. Je l'ai dit avec efficacité du langage. Amen. On est béni ce matin. Amen. Bien-aimé, la personne qui va nous enseigner aujourd'hui et maintenant même, après moi, il s'appelle Pasteur Caleb Pinga. C'est un pasteur. Alléluia. Amen. Et il est administré comme moi ici à l'église à Mial. Lui, c'est l'église Jésus Solution Temple. Amen. Et cette église bien-aimée est implantée à Nairobi, au Kenya. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'aime entendre la filière anglo-saxon. Ça me fait du bien. C'est un homme extraordinaire. Écoutez-moi, il m'a été recommandé par un de miens qui est pasteur aussi. Et lorsque nous échangeons ces jours-là,
avec le pasteur Caleb, je lui ai dit un, pas mardi, pas jeudi. J'aimerais que tu passes le dimanche pour que tout le monde écoute la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On va pas attendre les retardataires. Je ne sais pas si mon ami qui peut faire l'interprétation pour les pasteurs. Tu es déjà là. Là, tu vas bien le faire ou ici? Tu préfères là, hein? D'accord. Amen. Est-ce que vous aimez le pasteur Caleb comme moi? Amen. Vous pouvez lui montrer un signe que vous l'aimez. Amen. Non. C'est là. Koyamba pasteur Caleb moins qu'aventurier. Je ne dis pas qu'il est aventurier, mais c'est à toi de prendre ou de laisser. Bien-aimé, oh y a qui na famille l'obé on a bala après coximité. Au bête là, écoute que bébé na mukongo, aboie bien-aimé aventurier. Pasteur Caleb est venu au nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Yohana Moto ya yego zoyo na famille oyo na zoyo sur place Abraham Abima oyo. Amen moi pas Isaac. Est-ce que moto wana roya mbé na mambo mpolo te? Est-ce que tu peux faire quelque chose, montrer au pasteur Caleb que tu l'aimes? Oh Jésus! Oh Jésus! Jésus! Oh Jésus! C'est là. Amen. Alléluia. Amen. Na lina ye bisoboye. To laksa pasteur, tanga zo zo miko. Ke to lingye. Na moli mama pichwa zo kima. Na pe na zo kima. Me yo zo bate la mousse carpin. O zo bate la tech. O bate. Zela. O bate la niouf. Niouf. Bien aimé. Toi yamba pasteur, aux gens l'accès, comme ça, ça a déjà déséquilibré l'esprit. Allez, que Dieu vous bénisse. Alors que notre Dieu vous bénisse. Nzambe apambo labino. Je suis un homme comme vous. Nzambe to lokola bino. Et je suis vraiment dans la joie. Nzambe sengo. Si je dis que je suis un homme comme vous, vous savez, quand vous accueillez quelqu'un avec beaucoup de joie, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et ça la ramalamu. Amen. Hein? Amen. Alors, je suis de l'église Jesus Solution Temple. Naza moto église Yesu temple ya solution pour na Yesu. Maintenant en français c'est le temple Jésus la solution. Tempelo Jésus Christ solution. Amen. Hein? Amen. Et je remercie le pasteur Béni. Matondi pona mobate limpate beli pour cet accueil. Pona boyamba mi oyo. Je demande que je sois à la hauteur de la tâche. Na senyata ku mulai ya musala. Que je sois à la hauteur de l'accueil. Naza la penza likolo na ndenge bayambelinga. Amen. Hein? Amen. Alors, nous allons parler quelque peu. Tokolobela mwa ndambu. Et nous demandons au Seigneur de nous donner la grâce. Le Seigneur kolo apesa biso ngolu dans l'intervention. Na o etali liteya. Alors avant que vous puissiez vous asseoir, ya mbobo vanda, j'aimerais que nous lisons des passages de la Bible. Avant to vanda to tanga makomi mbale ya Biblia. Après avoir lu, nous allons nous asseoir.
Alors notre touche ne sera que, comme vous les connaissez déjà, je suis un bon quinois. Mais j'ai fait presque 20 ans à l'extérieur de Kin. Et nous avons apporté ce qui était ici à l'extérieur. Amen. Hein? Amen. Parce que ici vous priez bien. Vous dansez bien. Et tout est bien ici. Chez Amen. Hein? Amen. Par rapport aux endroits d'où nous venons. Amen. 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 Lisons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 7e. Kobana Mokanda Alboso, Kino, Yasambo. Et je vais lire rapidement. Natangi na kombo na Yesu. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Vous voyez que cela était agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. Akangaki le susu petelo. C'était pendant le jour de pain sans levain. Ezalaki mokolo o baba neko lia lipa ya pasika. Après l'avoir saisi et jeté en prison, Tangwakangi peto la boîte na boloko. Il est mis sous la garde de 4 squads. Azwaki batumine iba kengelae. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Ba memae liboso ya batu na sima pasika ba sambisae. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait les faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats. Et 2 sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Téléma. Les chaînes tombèrent de ses mains. Maintenant nous lisons Éphésiens. Je suis beaucoup Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans les seigneurs. Et par sa force toute puissante. Acclamons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Amen. Hein? Amen. Alors aujourd'hui, je vais parler des prisons sataniques. J'ai l'habitude de dire des choses simples. Parce que même quand Jésus-Christ prêchait la parole de Dieu, sa prédication n'était pas dure. Sa prédication n'était pas compliquée. Il disait des choses simplement. C'est seulement aujourd'hui que nous voulons compliquer un tout petit peu les choses. Mais si vous lisez la Bible, vous verrez les choses sont tellement simples.
Et les choses doivent être simples. En sorte que même si un enfant est parmi nous, qu'il puisse comprendre la parole de Dieu. Amen. Hein? Amen. Les choses simples. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Alors nous étions dans une conférence. Et dans cette conférence, on était, il y avait beaucoup des hommes de Dieu. Mais il y avait quelque chose qui m'avait quelque peu froissé. Que je n'avais pas vraiment accepté. Alors il y a un pasteur, quand il passe devant, il dit que le combat spirituel n'existe pas. Il n'y a plus de combat spirituel. On ne peut pas combattre parce que Jésus a déjà combattu et a vaincu en notre faveur. Amen. Amen. Il a expliqué ce qu'il pouvait expliquer. Aloba ki okoye koloba. Il a donné des versets bibliques selon lui. Apesa ki ba verset biblique kolanisa maye. Et ça semblait être vrai. E kokaki kozala pe ya solo. Ça semblait être vrai. E kokaki penza kozaneti ya solo. Amen. Amen. Alors le jour où je devais intervenir, mokolo esengela ki ngai pe na teya. J'ai parlé quelques deux mots par la grâce de Dieu. J'ai insisté pour dire, si dans une église il n'y a pas de combat spirituel, cette église sera un terrain où les démons et les sorciers vont jouer. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous voulez que votre église soit un terrain où les sorciers vont jouer? Alors combattez. Bobunda. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Alors il faut faire quoi? Il faut combattre. Il faut kobunda. Le combat spirituel est réel. Bitumba ya molimo za ya solo. Mes frères et sœurs. Andokobasi mibali. Après avoir reçu le Seigneur. Na sima na koyamba Yesu. Et toutes les promesses de Dieu. Na bilaka nyonso ya Nzambe. Nous attendons l'enlèvement. Toyokaka ko mata. Mais avant d'y arriver, nous combattons. Et nous devons combattre. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Amen. Hein? Amen. Tu es déjà sauvé. Obika déjà. Tu as accepté le Seigneur. Onzima Yesu. Mais sache que le monde n'est pas bon. Il y a des gens. Ezana batu. Où il y a des esprits et ça, qui viennent pour empêcher ton apogée, pour empêcher ton avancement. Il y a la jalousie dans ce monde. Il y a beaucoup de mauvaises choses dans le monde. La pauvreté est en sort. Mais pour vaincre ces choses, mes frères et sœurs, vouloir ou pas, nous devons combattre jusqu'à l'avènement du Seigneur. Nous allons combattre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Nous allons et nous devons combattre. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. La parole de Dieu est claire. Vous voyez, nous venons de lire un passage en Éphésiens où l'apôtre Paul lui-même, il dit aux disciples, fortifiez-vous. Et il dit, nous combattons pas contre le sang, pas contre la chair, mais nous combattons contre les dominations, les autorités, institutions. Cela veut dire que les combats existent. Et pendant qu'il parlait, Jésus-Christ était déjà enlevé. Il était sur la terre. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Et il est parti. Et les
apôtres. Ici nous parlons de l'apôtre Paul. Il a parlé encore du combat. Amen. Amen. Ça veut dire qu'après Jésus, après tout ce que Jésus a fait, le combat a continué. Mes frères et sœurs, si vous ne combattez pas, vous serez la proie du diable. Amen. Amen. Vous serez la proie du diable. C'est pourquoi vous verrez quelque part Pierre dire que le diable rôde comme un lion rugissant. Satan il rôde comme un lion rugissant. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à te dévorer. À dévorer peut-être quelque chose que tu as. Et tout ce que Dieu a t'a donné. Alors mes frères et sœurs, devant de telles évidences, nous ne devons pas laisser les diables faire. Vous devez vous lever et vous devez combattre. Mes frères et sœurs, nous avons parlé. Et nous sommes mis tous d'accord qu'il fallait combattre. Amen. Amen. Et ce jour-là, je vous dis la vérité. Que les gens ont combattu. Les gens ont combattu. Dieu a délivré l'assemblée. Et les gens étaient dans la joie. Mes frères et sœurs, il faut combattre. Amen. 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 Esengeli kobunda. Amen. Amen. Les combats spirituels exigent trois choses. Et vous allez voir dans les passages que nous avions lus, l'apôtre Paul dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Cela veut dire quoi en d'autres termes? Qu'un homme ne peut pas combattre si il n'est pas fort. Ce qui pour combattre, il faut d'abord te fortifier. Il faut être fort. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Dieu n'aime pas les faibles. Amen. Hein? Amen. Nous allons prier. Donc, il est là. Il est trop faible. Il ne fait rien. Amen. Amen. Parfois, si vous êtes dans une veillée, il dort. Il ne peut pas se battre. Il ne peut pas prier. Il ne peut pas chercher le Seigneur. Jésus n'a pas aimé les hommes faibles. Et vous allez voir ça dans la parole. Quand il est avec ses disciples, je passe en Luc chapitre 21 verset 36, il leur dit ceci: veillez et priez afin que vous ayez quoi? Afin que vous ayez la force. Amen. Afin que vous ayez la force. Il ne pouvait pas envoyer des gens faibles. Amen. Les gens sans force. Si on crée un petit trou, la personne tombe. Quand on vient te chiffler à gauche, tu donnes encore la droite. Oh, c'est parce que Jésus a dit. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, ça c'est la parole de Dieu. Il y a une révélation pour ça. Amen. Amen. Mais mes frères, en matière de combat spirituel, est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? Jésus n'a pas voulu envoyer des hommes faibles. Il a dit, veillez et priez.
prier en fait pour s'éveiller la force. Mes frères et sœurs, sans la force, je vous assure que le monde va disparaître. Même les églises n'existeront pas. Sans la force, mes frères et sœurs, des enfants vont mourir. Je vous dis la vérité. Sans la force, si tu n'appliques pas la force, ton mari sera arraché. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? On a les amis ensemble. Comme on a pris mon mari, que Dieu s'est le passé. Non. Amen. Oui. Il y a la part de Dieu. Il y a aussi ta part. Tu dois combattre. Amen. Pour garder ce mari-là. Il faut combattre. Pour gagner, pour garder ta femme. On ne peut pas venir quelqu'un venir dans ta maison. Il entre. Il joue avec tes enfants. Il prend ta femme. Gloire au Seigneur. Et puis il y a un passage biblique que les faibles utilisent souvent. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi, tu prends ma femme et tu veux que moi je dise toutes choses concourent. Moi je ne dirai pas ça. Oye, n'appelle si moto. Voilà. Togo pelana na yo. Surtout ma kama moi si togo pelana. Amen. Togo pelana na yo donc on comprend de te. Amen. Obi ke oye uti Kenya te. Vieux qui noir. Na pelani pena yo. Amen. 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 Dieu n'aime pas les faibles. Ne sois pas faible. Voilà, ce que l'on dit, amen, nous avons pris sa force dans ton alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Zambalingi bato ya bolembute. Zambalingi bato balala kalala kate. Voilà. Zambalingi te mutuka ka bazu moi si bakena yo za kabo. Baba tetelema. Yes. Amen. Amen. Lève-toi pour tes enfants. Lève-toi pour ta femme. Combat pour ton église. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Amen. Amen. Moi je ne suis pas un faible, je vous dis déjà la vérité. Je ne suis pas un faible. Avant d'entrer, commencez à sorceller mes enfants. Commence d'abord par moi. Amen. Amen. Ceux qui ont le king à Olongi, kende sikona moi si kende pe na ban. Mais ceux qui ont l'homme innaté, dans le royaume, n'a pas pour la yo. Amen. 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 Ayez la force. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Ça veut dire qu'il y a des choses qui arriveront. La jalousie arrivera. Amen. La jalousie va venir. Mais pour vaincre la jalousie, il faut avoir quoi? La force. Et c'est ma cassé ça là. Si tu n'as pas la force, tu vas abandonner ton mari et tu vas laisser ton mari à une autre personne. Amen. Amen. Il faut avoir quoi? La force. Ça là, ma cassé. Je vous dis, la parole de Dieu déclare au dernier jour. Quoi? Comme l'iniquité serait accrue. L'amour d'un plus grand nombre s'est refroidi. Amen. N'a pas dernier jour. Mais mes frères et sœurs, pour que l'amour soit ressuscité dans le cœur, dans le cœur des hommes et des femmes, dans la famille, il faut combattre pour que quand ces choses-là vont venir, écoute alors, Zalina, la force. Amen. Amen. Pour que vous soyez quoi? La force. Vous c'est la force. Veillez et priez. Saint-Gela, et d'ailleurs la solution est déjà donnée. Ah, solution de GPS à Maki. Amen. Amen. Pour avoir la force, il faut faire quoi? Pour nous en makasi, il faut prier. Et c'est le bon de là. Amen. Amen. Ce que vous semblez la terre,
tu n'auras pas la force. Amen. Cette force-là, je ne dis pas des machettes. Non. Notre force, c'est dans la prière. Si tu trouves quelque chose qui ne va pas, pélisse à moto. Voilà. Amen. Salamini. Pélisse à moto. Voilà. Viens à l'église. Yakanetonga. Commence à combattre. C'est pourquoi vous verrez Jésus lui-même. Quand tu as vu le combat venir vers lui, si vous lisez Hébreu, c'est lui qui au jour de sa chair. Au jour de sa chair, il a fait quoi? Il a rendu à Dieu des prières, des fortes prières. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait vu? Il avait vu la mort venir. Il est Dieu. Amen. Amen. Mais pourquoi il devait encore prier? Lui qui était Dieu. Non. La parole de Dieu est claire. Il dit, c'est lui qui au jour de sa chair. Abandonné qui commande la poisse à qui la nina zakina nan soto. Voilà. Voilà. Amen. Mes frères et sœurs, complications. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? Amen. Complication. Pas complication. Voilà. Et mon collègue moi malili. Amen. Bamba, toi comprendre, Abba comprendre. Amen. Amen. Comprendra nous, nous comprendra. Amen. 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 Pendant qu'il était dans la chair, il devait prier. Et quand il a vu quoi, la mort. Amen. Amen. Il a vu la mort. Et il s'est mis à prier. Abani go sambela. La parole de Dieu déclare, il priait. C'est lui qui pouvait les sauver de la mort. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? Il y a quelqu'un qui peut te sauver de la mort. Il y a quelqu'un qui peut te sauver de la prison. Il y a quelqu'un qui peut te sauver des problèmes. Quand tu vois les problèmes s'approcher, lève-toi, commence à prier et tu auras la force de vaincre. Est-ce que tu comprends mon frère et ma soeur? Ah, c'est lui qui pouvait les sauver de la mort. La parole de Dieu déclare, il a été exaucé. Il a été exaucé parce qu'il s'est mis dans la prière. Amen. Amen. Ça c'est la première des choses, nous partons rapidement. La deuxième des choses, pour vaincre, il faut avoir quoi? Les mandats. Amen. Amen. Il faut avoir les mandats. Sois rassuré que tu as un mandat de Dieu. Les mandats, c'est la parole de Dieu en nous. Faites attention. Keba. Ne va pas dans les combats. Koke na bitumbate. Amen. Amen. Ne va pas combattre. Koke go bundate. Est-ce que vous me comprenez, mes frères et sœurs? Écoutez. Yoka. Moi, je parle souvent de la Bible. Ngalo pour que vous puissiez comprendre ce que je vous ai en train de dire. Il y avait sept fils de Séva. Ezaki na ba sept à Séva. Sept fils de Séva. Bana sambo ya Séva. Ils ont vu Paul en train de combattre. Il combattait, il faisait quoi? Il chassait les démons. Ils se sont dit aussi, comme lui, chasse les démons. Mais je vous dis la vérité, Paul chassait les démons parce qu'il avait un mandat de la part de Dieu. Il avait quoi? Un mandat de la part de Dieu. Si tu n'as pas les mandats, ne va pas jouer. Est-ce que vous comprenez? Comme ça les réalités. Amen. Amen. Ne fais pas l'erreur. Oh, maman, t'es le mien. Le bien, il nous a carte. Le bandokino sur la carte, on a kangi bino. Ah, yo. Est-ce que vous avez demandé à quoi kanga bandokino sur la carte? Question. Kanga kanga bandokino yanda kunayo. Pardon. Amen. 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 Yanda kunayo. Naya banana yo.
Soki na lokomi na niveau ya quartier te bandoki dosu ya quartier oyo na telemi na butu bandoki dosu bazoka surtout na ensemble la mungo makasi na butu ba hotel ba amen amen mais soki ba ba peser ce que ça manda oza na ngote. Vous connaissez mes frères et sœurs. Oui, ben nous commençons les balles. Les sept fils de Séva. Bana Sambo ya Séva. Ils ont commencé à chasser. Baba nous bénissons. Au nom de Jésus. Na kombo ya Yesu. C'est l'apôtre Paul applique. Oh, on tombe à Paul à saler la. Vous chassez les démons. Nous venons vous chasser. Toye ko benga na bino. Mais écoutez mes frères et sœurs. Boyoka bande ko mibali. Qu'est-ce que les démons ont dit? Ba démon na balobi nini. Paul, nous les connaissons. Paul, toye bien. Jésus, oh Yesu. Celui-là c'est le grand maître. Yende azamo konzi. Amen. Mais vous, Bino, qui êtes-vous? Bozabanani. Amen. Hein? Amen. Qui êtes-vous? Bozabanani. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? Mais la parole de Dieu déclare. Lui, le dit. Que les esprits mauvais. Mais lui, bon, ma belle, se sont rendus maîtres d'eux. Bakoma ki ba konzi na bango. Amen. Hein? Amen. Ba matela ki bango. Hein? Ba pasoli bango bilamba. Mm. Et la parole de Dieu dit, Blélobi, ils ont pris la fuite nue. Maintenant imagine que les gens qui courent sans vêtements, ça fait amen, hein? Amen. Je ne sais pas ce qu'ils devaient cacher. Ils devaient cacher ici. Mais ils ont pris fuite. Amen, hein? Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les mandats. Amen. Amen. Celui qui a le mandat de Dieu est connu même par les démons. Abademo. Amen. Attends, voilà. Ça, celui-ci, c'était l'intouchable. Mais frère, j'étais dans l'église. Hein? Il y a une maman qui est venue, il a dit, papa, j'ai un témoignage. J'ai dit, bon, comme tu as un témoignage, je peux témoigner. Papa, Amen. Mais là, moi, je t'ai dit, Mawa. Et là. Amen. Amen. Mais pourquoi j'ai dit ça? Bonani na lobi bongo. Je dis ça parce que, Nabi, comment bandoki? Ah. Ba komiti ba simbi ona kingo. Voilà. Mais non. Amen. Si tu as le mandat de Dieu, so tu es saint seul. Donc, à quoi que tu as dit qu'au final, tu as Simon à Kimbo. À quoi Simon en tant que qui? Amen. Tu ne sauras pas me toucher. La parole de Dieu dit ceci. Je fais de mes serviteurs une flamme de feu. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es une flamme. Est-ce que tu as dit qu'au Simon à moto? Jamais. Et pourquoi tu as dit qu'au Simon à Néni? Non, à sa moto. Azate. Moi je suis fait. Tala, soit que l'on amen Zala moto na komo na Yesu. Amen. Soit que l'on amen Bandoki Bango Simba Yote. Amen. Soit que l'on amen Basimba Yote. Amen. Amen. Moi je suis un intouchable. Soit que Dieu t'aime. Ah. Meka, Nabutu, Yago Kananga, Yoko Komata Pembenite. Amen. Amen. Je suis celle seul. Je ne peux pas être touché. Pour que tu m'as maté. Amen. Si tu crois cela, tu dis amen. 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 Il faut avoir le mandat de Dieu en toi. Et j'ai dit le mandat. C'est la parole de Dieu. Il a dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et le côté. Yeah.
Hello côté. Amen. Amen. Et ça la tata moi si azana katia barien. Ah. Et ça la kindo que ça la katia barien. Ya ngone li. Et ça la malade ça la katia barien. Aïe aïe. Et ça la ma prison satanique ça la katia barien. Et ça la na éviter nini de soussou. La rivalité. Ah. Et ça la katia barien. Ah. Cette rivalité là qui ne pourra pas vous faire du mal. Je sais la mettre. Amen. Amen. Yeah. Et le côté. Yeah. Le bas, yeah. Le côté. Le bas, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons. L'okuta. Gloire à Dieu. Amen. Amen. L'okuta. Hein. Parce que moi, j'ai un mandat de Dieu. Nazana Ningisa. Étant donné que j'ai un mandat de Dieu, personne ne peut me faire du mal. Amen. Amen. Ni les sorciers, ni les esprits, ni les serpents, ni les scorpions. Mes frères et sœurs, ils peuvent m'y aimer faire. Ah. C'est pourquoi la parole de Dieu dit Yango no banzambe lobi Bakoya na nzela moko bakoki ma na nzela Sambo Baya na bango ah. Baya Baya Mais boko si mangate. Voilà. Quand ils vont arriver là-bas, ils vont arriver là-bas, ils vont sentir que non, 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 nous sommes trompés d'adresse. Et puis ils vont faire quoi? Ils vont fuir. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. Je vous donne le mandat au nom de Jésus. Tu chasseras les démons. Amen. Amen. Dieu te donne ce mandat-là. La personne dit ça. À mon nom. Ils chasseront les démons. Na Kenya, na monika ka bato bazanga ba boy. Neti ba catholique, neti ba protestant. Ba mupe. Nous avons vibré. Et les gens commencent à nous suivre. Mes frères et sœurs, ce que vous faites ici, c'est vrai. Oh, bon, ça nous est à solo. Ici, quand nous sommes au Kenya. Ah. Bon, le bête, nous avons le mandat de Dieu. Amen. Tu as le mandat de Dieu. De chasser les démons des Américains. Tu as le mandat de Dieu. De chasser les démons des Français. Même ceux qui passent par l'Imnasie. Nous avons le mandat ensemble. Amen. Je vous ai donné, vous marcherez sur les serpents. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? C'est ça le mandat que nous avons. Et si tu as le mandat, c'est un intouchable. Aucune prison ne peut te contenir. Amen. Amen. Je croyais que tu allais dire amen. Amen. Batu bazana manda le loba loba amen. Amen. Soko lobi amen zamba pesa yo manda wana lelo. Amen. Soko lobi amen bando ki a quartier kanga bango sikoyo. Amen. 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 Bando ki a famille ko kanga bango zaka na manda zala su na oza na yango. Amen. Sois su. Amen. C'est pourquoi vous allez voir Pierre quand il est devant les paralytiques. Pierre a poussé le sang au cacatanio. Les paralytiques lui disent donne-moi l'argent. Il dit non. Le cacatanabi, il peut s'embonger. Moi, je n'ai pas l'argent. Mais j'ai le mandat. Ce que j'ai. Au nom de Jésus, lève-toi. Marche. Je te donne ce que j'ai. Amen. Et le kimbongo. Voilà. Et le kinyon son assez dans mon kilo. Amen. Si tu as le mandat de Dieu, la pauvreté Bobola ne dominera pas sur toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Loba nazana manda ya nzambe. Nazana manda ya nzambe. Loba nazana manda ya nzambe. Nazana manda ya nzambe. Loba nazana manda ya nzambe. Nazana manda ya nzambe. Loba nazana manda ya nzambe. Nazana manda ya nzambe. Et quand tu marches maintenant, tamboli sukoyo. Marche la tête haute. Tambola mutuli kolo. Parce que Dieu t'a dit. Bote nzamba lobi na yo. Même si vous prenez les breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Les lois qui m'ont dit que tombe à ma breuvage mortel n'a pas de relier. Ma poison, ma bilo quoi bongo. Mais ça n'a pas de mandat ensemble.
Amen. Amen. Ah, dans les temps, on mangeait partout. Mais c'est des nettoyages. Je suis venu ici à Kinshasa. Je suis passé, fais attention. Hein. Ne mange pas n'importe quoi. Je suis venu ici à Kinshasa. 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 Je suis venu ici. Amen. Jésus-Christ est mangé. Yes, moi, je ne suis pas Jean-Baptiste. Naza, je ne suis pas le disciple de Jean-Baptiste. Naza, Jean-Baptiste. Jésus-Christ est buvé et mangé. Yes, moi aussi, je vais boire et manger. Amen. Poisson na yo, et moko et la raga yo moko. Amen. Moi, j'ai le mandat de Dieu. Naza, na Amen. Amen. Ces histoires-là ont quitté le monde. Ces histoires-là sont entrées même dans l'église. Même dans les églises, on a un poisson déjà. Il y a un pasteur, maintenant, là, il est dans la morgue. Nous devons aller le voir, un ancien ami. Qu'est-ce qu'il y a? Les poisons. Mais Jésus-Christ a dit, vous allez prendre les breuvages mon père. Et cela ne vous fait aucun mal. Est-ce que vous comprenez? Ça ne te fera aucun mal. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire j'ai reçu le mandat de Dieu. J'ai reçu le mandat de Dieu. La dernière chose, Yasuka, avant d'entrer dans les vifs, il faut, non, dans les vifs. Amen. Hein? Amen. Pour combattre, il faut avoir la révélation. Et Amen. Amen. Tala, je vais vous dire la vérité. Moi, je suis un peu de temps. Pap! Battant l'air. Ça va quoi l'air? Ah. Amen. Hein? Ah. Qui boudit, qui boudité? Sans contrôle. Au coup de tête. Amen. Hein? Amen. Une maman est venue. Maman, mon quoi? Ce jour-là, je n'avais pas la révélation. Mon collègue, c'est qui n'est moni, c'est le mon papa n'a eu qu'il bon passe. Ah. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, mais ma bébé, ma mère, et ça qui n'a pas mis ma bête. Maman, ça qui n'a pas cyclé naïe. Si on a la goutte, on a la manini, mais ma bête. Et ça qui m'a dit, côté la montée dans ma chaîne. Ce que ça n'a pas cyclé, qui est normal. Je n'avais pas la révélation. Nazagi ne m'en est pas noté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, c'est comme le Rwanda. Gaspillage d'énergie et de temps. Amen. Amen. Automatique dans la montagne. Reçois d'abord la révélation. Pourtant, on commence dans la montagne. Oui, mais là, on est nos os là. Voilà. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelques jours après, papa, il vous met. Et si vous n'êtes pas. Et ça, il n'a pas basique. Ah. Amen. N'a petit bakou n'engue n'yon so. Ma maman père bon va tout qui s'abuse. Parce que la yaya qui a l'obit de boubou yon passe. N'a aucun n'a mon n'engue zou ling. Papa li boubou passe. Ma bio est à démon. Est à qui démonte. Amen. Là. Amen. Hein? Bon, tout boussou. Kamalaria mouké. Au nom de Jésus. Amen. Non, pas mon gars, Kinshasa. Au final, tu fais ça, tu n'es pas là. Ah, mais la macambo est si là. Amen. 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 Il faut avoir quoi la révélation? Essayez vous en émoni, c'est l'eau. Si tu as la révélation, vous en émoni, c'est l'eau. Tu ne vas pas perdre le temps. Au collègue Satan, au thé. Au Sanini, on va perdre le temps. Parce que beaucoup de gens perdent le temps à cause du manque de la révélation. C'est pourquoi na sengana nzambe na binzambe comme ça na pe pasteur soki na kahimi suna mona nzamba buda nzamba lobiji yo saka ka pasteur. Amen. Amen. Quand on a besoin ba prophète baza na na mo avantage pour ça katika ba moni nzambe on a moni na moni. Na lokuta katika ba na moni katika ba na moni. Est-ce que la zone bibo mona nini? Nous voulons.
L'okuta. Ma prophète du Bino, vous êtes bien. Zamba la kisina. Amen. 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 Yamana no kibutu boko mokila, le biaso moni zambe kanga e photo. La exception n'inga sala, la exception l'ogina e. Parce que prophétie dans la Bible. Amen. Il y a un Bible qui a un avantage. Il y a un Bible qui a un avantage. Amen. Il faut voir la révélation. Et ce que vous avez mon ici. Et si tu as la révélation. Ce que vous avez mon ici. Tu seras comme Paul. On nous a levé la Paul. Qu'est-ce que Paul a dit? Paul a le mini. Il dit quand moi j'ai batté, je ne battais pas comme battant les vents. Amen. Mais il a dit quand je me bats. Alors je touche à quoi? À l'objectif. Amen. Ce qui a Kalezaki qui Simba te. Il y a tout le Luka révélation et ça nini. Et Simba. Amen. Obetika pa. Et Simbi Pemba la moro. Ta soke lobi amen lelo au Simba. Amen. Soke lobi amen eko Simba lelo. Amen. Amen. Pourquoi? Il avait la révélation. Il faut voir la révélation sur ton combat. Quel est mon combat? Il faut voir la révélation. Si c'est lui qui te combat, qui me combat? Il faut voir la révélation sur les esprits qui te combattent. Quel esprit qui me combat? Et comme ça, quand tu te mettras au combat, tu vas tirer juste au combat, tu vas toucher au consomme à l'objectif. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, donne-moi la révélation de mon combat? Jésus, donne-moi la révélation de mon combat. Ce que le bien voulu sous nous amazon pèse en révélation à combat. Le baïen sous pèse en révélation à combat. La baille. Amen. Mais si tu n'as pas la révélation, est-ce que tu comprends mon frère et ma soeur? Ça peut être quelqu'un de ta famille. Même ça peut être ton mari. Quand mon mari est là, il dit chérie, sweetheart, I love you. I love you. Na ba sweetheart wana keba. Sweetie. Sweetie. Mais na butu ye wana komi misu angali si liyo misu. Amen. Oh ba papa bazaka na kidokite. Eza na ba papa mususu. Baza nango, ezala ba mama te. Amen. Amen. Ata ba papa. Baza nango. Papa moko ndoki penza. Siko nzamba révélé soke zaye. Bete masasi ya mulimu. Amen. Ata mobali noko kele mawate. Kombo maete nde, me bete masasi ya ale na kombo ya Yesu. Te akufate. Au bon la motema. Amen. Amen. Tala so ipe fo akufa akufa kaka. Tala. Bona ba mususu il faut bazala. Ba mususu pe fo bakufa. Amen. Ba 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 rotika la wana ne ba ba rotemoigner. Ba rotemoigner tala wana bundisa ki e akufa ki. Ya mwana nga na bongo li motema. Seza bongo. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? Amen. Que Dieu nzambe te donne quoi? Après ça, la révélation. Et mon je vais lire ça à 1 Corinthiens chapitre 9. Lisons ça. C'est très important. 1 Corinthiens chapitre 9. Sous la révélation, tu m'as mis.
Amen. 1 Corinthiens. Chapitre 9, 26. Lisons rapidement et puis nous allons terminer. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je cours non pas comme dans l'aventure. Ne fais pas l'aventure. Il ne courait pas comme dans l'aventure. Mais il dit quoi? Je frappe non pas comme battant l'air. Je frappe non pas comme battant l'air. Nazo beta loko la mou pépété. La mi pépété. Bete en mon direction. Calculé en mot très bien. Et te bade boba sa la nini. Va couer. Et te bade prise sa nini. Et fungwama. Je vais dire quelque chose de peu avant de terminer. Et là, vous savez, Pierre était dans la prison. Pete l'azaki na kata boloko. Mais azaki na prison pour Ani. Parce que en ce moment-là, tout le monde était dans la distraction. Batika qui na distraction. Bazai ko bundate. Bazai ko sailote. C'est pourquoi j'ai dit, si vous ne combattez pas, le diable va dominer sur vous. Je vais vous donner les stratégies. Pour les stratégies. Les prisons sataniques. Il y a aussi des stratégies. Amen. Amen. Je voulais entrer dans la révélation, mais je vais donner seulement quelque chose de peu. Amen. 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 Je suis encore dans la vie. Je sais ce qu'on va faire. Amen. Écoutez mes frères et sœurs. La parole de Dieu dit quoi? Parce que Hérode avait vu, j'ai tué Jacques. Hérode a mona qui n'a pas mis Jacques. Et Simbi. Hein? Et les gens étaient dans la joie. Maintenant je vais faire quoi? Je vais prendre aussi Pierre. Or il y avait trois colonnes. Il y avait Jacques. Il y avait Pierre. Il y avait Jean. Jean a regardé. Il a dit non. Si on termine avec Pierre, on va maintenant venir chez moi. Il a dit maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons combattre. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? La première des choses est de prendre d'abord la décision de combattre. Et il a dit non, si Jacques est mort, alors, dit Jacques mais Pierre, il ne mourra pas. Alors, est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? Le bas soki bayi bakaku n'est pas nanga bakoyi bate. Amen. Soki batu bakufa kaku n'est pas nanga bakoku fate. Amen. Soki l'église na bango balala gapomi abiso tokola la te. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? Amen. Il a réveillé les gens. À la moussi batou. Abien te tote et matos anini. To prier. Et puis sont allés prier chez sa mère. Bate rosame et pas maman naï. Papa dit qu'on samme là. Amen. Amen. La prière c'est quoi? Le samozanini. C'est la force. Et ça le makasi. Est-ce que vous comprenez mes frères? Vous et puis dans la ligne qu'on a dit vérité. Sokozan en gouyan ensemble. Si tu as la force. Sokozan makasi. Ça ne rate jamais. Et qu'on rate été. Et qu'on rate jamais. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? Ils se sont levés. Matelemati. Pour prier. Pour dire non à la mort. Lève-toi. Telema. Dis non à la mort. Loba pegi sa loi. Dis non à la prison. Boya na ba prison. C'est pourquoi mes frères et sœurs. Quand ils se sont levés. Matelemati. Mes frères et sœurs. Anokobasi mi. Merci que Zalaki. Pierre a salé inini. Abimaki. Abimaki. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Que l'église fasse quoi? Église ça nini. Pour refuser. Pour refuser. Certains complots du diable. Pour refuser. Les prisons sataniques. Amen. Amen. Dans la soirée, le bien amen, ma prison n'est pas encore comme on a Yesu. Soirée, le bien amen, ma prison n'est pas encore comme on a Yesu. Amen. 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 Ils ont prié. Mais comment découvrir? Parce que je vais parler de la révélation. La première des choses, pour connaître que non, je suis maintenant à la porte de la prison. Comme
comme je parle du cas de Pierre, je parle de trois choses seulement. La parole de Dieu déclare quoi? Que Jacques, plutôt Hérode, était en train de les maltraiter. Abané ko sala bango mabé. Et lo kwa liboso. Hein. Ce que bandi comment on a vie. Ben spinet ya ba maltraitance. Maltraitance c'est la succession de mauvaises choses. Ezako kitana biloko ya mabé. Makambo ya mabé zo sani ni ezo ya. Ezo ya. Ce qui malade est sili. Ce que zaki malade na ebité mususu ye. Amen. Lika mususu na zani ni. Oh provision est sili. Ce qui provision est sili. Oh, et comme il m'a dit, loyer peut garantir ici. Amen. Amen. Il y a une succession des choses mauvaises. Quand tu vois cette succession-là, sache que ça, c'est une prison satanique. Et commence à détruire cette prison. C'est comme ce qui est arrivé avec Job. Moi, biloko ekufi mususu akoti mamoko oyo pensili mususu akoti mafuta pensili. Si tu vois une succession de choses mauvaises, frères et sœurs, ça c'est une forme de prison. Ezao ezali lulengi ya boloko. Il faut commencer à s'élever. Esengeli kotelema. Et puis lelo oyo. Hein. Na bieto soko monaki ba succession ya makambo mabezo kolana na vie na yo ekoya na kombo na Yesu. Amen. Sokolobi amen ekwei na kombo na Yesu. Sokolobi amen ekwei na kombo na Yesu. Amen. 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 Si tu vois ta vie est surveillée parce que Pierre, on lui a mis entre les escouades. Pour faire quoi? Pour les surveiller. Et ça ma kambo oyo. Et donc ça les matins où nous en prison, ces choses c'est pas spirituellement. Tout ce que tu fais, nous sommes ça là. Tu es surveillé. Amen. Amen. Et tu peux le voir. Tu es malade. Il y a une certaine tante où je ne sais pas qui. Il vient directement te dire comment tu vas. Si tu lui dis tu es malade, elle part. Okay. Elle te surveille. Très bien. Mais les jours où tu vas te taire et ne rien lui dire, il ne connaîtra pas ce qui se passe dans ta vie. Et ces prisons-là vont tomber. Est-ce que vous comprenez mes frères et sœurs? Amen. Parfois, dans cette surveillance, nous-mêmes nous jouons les rôles. Nous sommes occupés de jouer à rôle. Amen. De donner l'information. Il y a un peu ça d'information. Peut-être la personne que tu as mis dans la maison, c'est un pion de surveillance. C'est pourquoi mes frères et sœurs, il ne faut pas recevoir n'importe qui chez toi à la maison. Je ne refuse pas l'hospitalité. Je dis n'importe qui. Moi, n'importe qui. Amen. Amen. Exercez l'hospitalité. Sala na boyambi. Mais ayez la révélation. Sala pene monisi. Nani oyo nazo okotisa na ndako. Ah. Ne omusu akotaki koko. Akoti koko alobino oyo eza koko abana. Atikala na bana. Mais akoti koko abana koko abebi si bana nyonso. Amen. Amen. Tita mwa na oyo azaki mwa mukolo bina za na zemi zemi ya nani ya koko. Parce que papa azaki na confiance na papa na ye. Abiete papa na nga fa na nanda. Mais il n'avait pas vu quel est l'esprit qui était dans ses papas là. Et mes frères, dans ses papas là, c'était toute une prison qu'il a fait entrer dans sa maison et qui a détruit tous les jeunes filles qui étaient dans la maison. Mes frères et sœurs, vous dites la corona bana ou la corona nga iko sima bango na zoto tamu mususu oui mais elle moko pe. Ça, ce n'est plus normal. Oh, ça, c'est pas la moutée. Fumo la paix, moko misu. Voilà. Oh, bazara ba cousin. Fumo la misu, ko za ba cousin, mousou, ba epo ba kota, ba la non apuso, po ba baby sabang. Oh, les cousins, eux qui n'a pas dit, les cousins sont faits pour les cousines. Il faut avoir les yeux de Dieu. Et c'est là, il faut
Il faut avoir la révélation. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Amen. Dieu peut commencer à te montrer celui-ci qui est dans ta maison. Amen. Amen. Toi, tu es un enfant de Dieu. Yo, nzambe. Tu ne peux pas être surveillé. Et c'est la dernière chose pour aujourd'hui. Et non, les jugements. Dans quelques peu de temps, Pierre allait être jugé. Mais il faut pas bénir sa venue en famille. Il faut tout l'obé la yango. Non, 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 non. Amen. Amen. Mais toi, tu n'es pas fait pour être condamné. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que ma condamnation n'y so ekwea na kombo na. Na Yesu. Amen. Amen. Compte tenu du temps, nous allons nous arrêter là. La plus importante des choses, il faut s'élever et combattre. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons nous mettre les mains? Est-ce que nous les mains? Yes. Est-ce que nous pouvons nous mettre les mains? Est-ce que nous combattre? Amen. L'obéte na kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Ben esprit non sur la surveillance na bomo inanga. Esprit sur surveillance na bomo inanga. Prison non sur la surveillance na bomo inanga. Prison non sur la surveillance na bomo inanga. Ekwe na kombo na Yesu. Ekwe na kombo na Yesu. Amen. Amen. Ala koloba yango netozole na bolembute. Amen. Amen. Maintenant quand nous sommes en train de parler, ce sont des choses sérieuses. Makamoto nous sommes dans l'étape de l'esprit. Pour que ces choses-là tombent dans ta vie. Et je vais vous donner le temps pour prier. Tu pries avec force. S'il faut claquer les mains. Ne laisse pas le temps. À celui qui voulait t'introduire dans les prisons. Amen. 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 Esprit non sur la surveillance. Esprit non sur la surveillance. Et quoi la combo na Yesu. 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 Si tu dis amen, si tu dis amen, va pouvoir les ouvrir. Amen. Va amen, va esprit en quoi. Amen. Va au nom de Jésus, va esprit en quoi. Au nom de Jésus. Va au nom de Jésus, va esprit en quoi. Au nom de Jésus. Je veux que tu combattes. La parole de Dieu déclare, vous marcherez. Tambola combattre contre l'esprit. Ah. Parfois ta vie est surveillée. Dans la maltraitance. La succession des choses aujourd'hui c'est la mort. Demain c'est ceci. Oh le mari est parti. Moi ça guérit. Tu te plains toujours. Toujours plaintif. Les jugements. Oh il est où? Oh non. Tout le monde. Va te juger. Même quand tu as fait du bien. Attends moi ça. On te donne le temps. Ça va passer au temps. Mais pas cette attitude là. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Ne mettez pas esprit non sur la maltraitance. Esprit non sur la maltraitance. Et quoi en a comme on a Yesu. Et quoi en a comme on a Yesu. Parle encore plus fort. Que les esprits de maltraitance tombent au nom de Jésus. Esprit non sur la maltraitance. Et quoi en a comme on a Yesu. Et quoi en a comme on a Yesu.
Lorsqu'on témoigne, le but principal n'est pas celui...